Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Zatro. Comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et le lancement d'une nouvelle série, les amis, qui s'appellera Les meilleurs espoirs du mois de carrière de FIFA 16. Donc, on fera une vidéo pour chaque joueur, enfin, chaque joueur, non, chaque type de poste, par exemple, goal, BU, AG, vous m'avez compris. Et aujourd'hui, on s'attaque au goal, au gardien. Donc, à savoir qu'il n'y aura pas des gardiens âgés de plus de 23 ans, parce qu'à partir de 23 ans, je trouve plus trop que c'est des espoirs ou des pépites. Donc, voilà. On est tout de suite parti et le premier goal, c'est évidemment Thibaut Courtois, le gardien de Chelsea. Donc 86 de général, il vaut très très cher. C'est vrai que pour les petits clubs qui veulent monter, c'est pas hyper pratique parce que 44 millions d'euros, c'est pas donné. Mais il a un potentiel de 90, donc c'est le meilleur potentiel hein, des goals. C'est vraiment extraordinaire hein, le Belge. Il est très très grand, quasiment 2 mètres. Rien à dire sur ce joueur, hein. Très très bon. Ensuite, on a Mathia Perrin, un peu moins connu, le goal de Genoa en Italie, 22 ans, 81 de général, bon, 20 millions d'euros aussi, un peu plus petit, 1m88, bon, c'est déjà très très grand, hein, et il a un potentiel de 88, donc c'est énorme. Lui, il coûte un peu moins cher, mais il va quand même valoir assez d'argent, donc voilà. Ensuite, on a Brand Leno, le gardien allemand du Bayern Leverkusen, donc 1m90, donc taille parfaite. 84 de général, il vaut 60 millions d'euros, mais il a un potentiel de 88 lui aussi, donc ça c'est vraiment pas mal. Bon, après, son prix, c'est vrai que c'est énormissime, 59 millions d'euros, on va pas se cacher, c'est très très cher. Maintenant, on va passer aux petites pépites, vraiment les pépites, il y en a trois, il y a trois énormes pépites, donc on commence par Jack Butland, donc le gardien anglais de Stoke City. Quasiment lui aussi 2 mètres à 22 ans, 77 de général, parfait, 10 millions d'euros. Donc vous pouvez le prendre avec un club style Valence ou des moyens clubs, l'Inter de Milan. Donc voilà, il a un potentiel, je vous dis, de 87 de général. Donc ça, c'est vraiment parfait. Un hein. 87, c'est très très bien, je trouve, pour un goal de 22 ans qui coûte que 10 millions. Donc voilà, ensuite on va continuer avec Timo Horn, goal très peu connu. C'est le goal allemand de Cologne, qui mesure 1m92, 79 de général, il coûte 13 millions d'euros. Après, il a un potentiel lui aussi de 87, c'est pas beaucoup, enfin c'est pas beaucoup, entre guillemets par rapport aux autres. Mais moi, pour 13 millions, je pense que ça en vaut la peine hein, pour avoir 87 de général à la fin de sa carrière. Je pense que c'est vraiment parfait. Et maintenant, le dernier goal, le goal le plus jeune qui va aller entre guillemets très très haut, c'est Bartłomiej Drakowski. Donc désolé si je prononce mal son prénom. C'est un Polonais qui a 17 ans seulement, 191 cm, donc 1m91, 71 de général, normal à 17 ans. Il vaut que 3 millions d'euros. C'est rien du tout. Et son potentiel est de 86. Alors qu'avec l'entraînement, avec le mode entraînement, on peut le faire, je pense, monter à 88. Donc vraiment, c'est énorme. À 17 ans, pour l'avoir à 3 millions et se dire qu'il aura 87 de général, c'est parfait pour des petits clubs. Vous pouvez toujours l'échanger. Donc voilà, moi je vous conseille, dès que vous commencez votre carrière, d'aller le chercher sur les marchés des transferts parce que il part très très vite. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de clubs qui le veulent. Donc voilà. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, les amis. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter et à partager. Sur ce, ciao tout le monde. C'était déjà trop.